Bien le bonjour, nouvelle journée, on va à Lotte World. C'est comme ça, ça c'est où le zoom, merde. On recommence la prise. C'est quoi Lotte World, Yanis, interrogation surprise, c'est quoi Lotte World? C'est un parc d'attractions. Ok, 10. Un mot à ajouter? Ça va être génial. Allez, c'est parti, on va s'amuser, on va jouer. Voilà, donc là on est vraiment le gros manège, il y a un gros parc d'attractions en fait à Séoul. On a réussi à avoir des tickets pour 30 euros à peu près. Ça devrait prendre un moment toute la journée, mais bon, on verra bien. Hein. Je sais pas du tout, apparemment c'est vraiment un gros parc, c'est un peu le truc un peu famous, un peu connu d'ici. Ça équivaut bah, comme Disneyland par exemple, hein. Il y a des parades, des roller coasters, enfin on verra bien. Bon après évidemment on a forcément des tickets à la con, donc on doit marcher je sais pas combien de temps pour trouver l'entrée. Hein ? On a la réduction. On a la réduction. C'est vrai qu'on a une réduction donc c'est pour ça. Et apparemment, enfin je crois, il me semble que tout le parc d'attractions, je bégaye, je suis crevé. Il me semble que tout le parc d'attractions se trouve dans un grand immeuble, c'est ça, non? Voilà. Ouais, il m'a dit avant, c'est pour ça. Intérieur, il y a le souterrain aussi là, tout ce qu'on voit là. C'est énorme. Il a dit, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Mais si vous l'entrez là? Là on y est, c'est bon, là on y est. Ouais, là on y est, c'est bon les gars. C'est de l'œuvre. Oh putain, il y a un truc, comment ça s'appelle? C'est un géant. Un truc en face là, comment ça fait? Un looping, merci. Donc voilà, donc c'est ça, on est vraiment dans un. On est vraiment dans un grand tour, un grand immeuble. Tu es mon héros aujourd'hui. Ah oui, il y a une patinoire. Non mais attends, c'est quoi ce. C'est carrément ouf. Donc là il y a une patinoire au milieu, il y a plein de manèges qui sont tout autour. Il y a des boutiques, il y a des. Tout et n'importe quoi, là une espèce de grand amphithéâtre à l'arrache. C'est n'importe quoi. Là, il y a un espèce de looping qui est bloqué. Un parc qui a l'air cool. C'est pas pour les gosses. Hein. Ah ouais, tu vas faire un truc dehors, toi? Bah ouais. Allez. J'ai envie d'avoir peur. Moi, je suis une lopette, hein. Bah arrête, un truc d'horreur, la première attraction, 10h45, un truc d'horreur. J'aime pas les trucs d'horreur. Mais. Vas-y. Oh putain, excellent le truc dans Cars. Le Vanipi là. On fait un manège, le manège c'est mieux. Ah moi faut que j'aille doucement avec moi, on est le matin. So we go straight? Okay. This way? Okay. Okay. Thank you. Thank you. En tant que bon français, on commence par French Revolution 2. VR. C'est un truc en. Tu as ramené ta baguette et ton fromage. On part sur un roller coaster avec une réalité virtuelle. T'es chaud? Regarde où? Regarde où est la caméra? 120 km/h. 120 km/h. T'es chaud? Ah ouais. Lui, il est trop taqué tout le temps. Une lumière de queue là. Bon alors, vous avez pensé quoi? C'était super, un peu cool, mais super. Ah non, on était sur c'est parti sur un monde un peu bizarre. En gros, c'était quoi? C'était dans un carrosse, on était prisonniers. Et ensuite, des monstres chelous sont venus déchirer la cage. Voilà. Le cheval ensuite, le cheval transformé a été en dragon. Remplacé par un genre de. De dragon chelou, on est d'accord? Démon ailé comme une. De démon ailé. Un truc bizarre. De démon ailé. Et ensuite, on devait tuer les méchants. Mais c'est quoi là-bas, là? Bomber car. C'est là. Bah, c'est ça qu'on vient de faire. Il y avait un looping dans le truc. Ah tu vois, il y a vraiment le. Je sais pas si ça a filmé, mais. Donc là, on était là-dedans à la base. Donc là, le roller est vraiment dans en intérieur. Et vu que t'es en réalité virtuelle, bah, tu vois rien. On va les voir passer là. Ouais. Et dans la réalité virtuelle, ils vont sûrement croiser un. Ah, les cons, ils crient quoi. Ils font comme moi. Ma gueule. Rock and roll. J'ai cru que c'était une photo, moi je faisais la pause. Ah ouais. J'étais là.
T'es un youtubeur photo toi? De quoi? T'es un youtubeur photo? T'es un youtubeur photo, très connu, très réputé. Là aussi. Wow, avec des lunettes là et le gun? My name is Bond. La réplique de merde. Grave. Putain, ça a pas marché, c'est vraiment de la merde. J'ai un téléphone de merde. Le téléphone il est pété. Salut toi. C'était stylé mon gars. T'as filé pendant tout ce temps là? Bah ouais, je dis comme ça moi, je prends tout le monde mon gars. Attends, faut que ça c'est jamais fait. Assez. On a trouvé un jeu. En gros, c'est un jeu de flingue. Et on tire sur des robots virtuels à peu près comme Buzz l'éclair à Disneyland. Dès que ça tire. Tout à l'heure il a gagné, t'as fait combien? 20... J'ai fait 3ème. Ouais encore, t'as fait combien? 29 000 20 000 non, il y a 20 000. Ouais, on était autour des 20 000. De 20 000, moi j'ai fait 14 000 quelque chose. La revanche, la revanche. Merde. C'était pas mon combat les gars. La grosse victoire. La grosse victoire. La branlée, je leur ai mis une branlée. Et une branlée, voilà. Le mec il sort comme ça. C'est bon les gars. Les champions, les enfants de filles ont perdu. Arrêtez, pas d'excuses, pas d'excuses. Vous avez voulu faire le défi, vous avez perdu. Putain, la vie est facile. Un mot sur la défaite, monsieur. Ça veut quoi de perdre? De la chance. De se faire humilier. De se faire humilier. Welcome. Is it done?